Ouais, moi, je suis content de te voir. Ouais. La vie tient. Ouais. Seigneur Jésus. Ouais. Nous fumeurs. Ah, ma copine. La vie. À l'époque, il m'a menti qu'il venait m'épouser, maman. Un bel homme. Non, mais c'est bon, c'est parce que je ne me suis pas reposé, tu savais. Ça fait 4 mois, je ne me suis pas lavé. Mais 4 mois, tu ne t'es pas lavé, tu es devenu clochard en bain. Non, pas clochard. Au nom de Dieu. J'ai même cherché à voir une personne comme toi, comme ça ici. Il y a le moment où j'ai. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour que tu deviennes, tu fasses 4 mois sans te laver en Europe? Hey! Guy! C'est toi qui es devenu comme ça. 4 mois sans te laver, ouais. Ben. Hey, rentre. Ouh, rentre au Cameroun, oh, maman. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais dans l'hôtel avion. Oui. Mes affaires étaient là, mes costumes, mes habits, tout. Tes costumes, tu es parti faire là-bas? Non, non. J'ai fait un voyage. Je rentre le soir à l'hôtel. Une voiture est garée. Encore me dit, monsieur, vous ne montez pas. Je dis, mais pourquoi? Oui. Parce que je suis parti de l'hôtel, je suis ici, vous ne montez pas. Oui, mais parce que tu n'as pas payé l'hôtel, on t'a chassé. Non, je ne sais pas pour le de chambre. Je ne sais pas pourquoi. La nuit, j'ai pris, c'est là où mes parents ont commencé. C'est là où je suis. Oh, ya. Bengo, les repos. Oh, bengo, bengo, les repos. Hey, oh, les repos. Des choses. Mbengo. Mbengo. Tu es devenu clochard en Europe. Hey, Dieu m'a sauvé. Seigneur, tu m'as sauvé, maman. Voilà un qui est venu chercher à m'épouser. Oh, tu m'as sauvé. Donc, c'est ça qui a fait que tu es devenu comme ça en Europe, papa. Oh, 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 oh. Maman, si tes parents pouvaient te voir, ils vont rentrer au Cameroun. Rentre au pays, papa. Hey. Ma copine, voilà le gars qui est venu à l'omnisport. Je travaille à l'hôpital général. C'est toi qu'elle voit comme ça. Hey. 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 Quand tu fais le mal, oh. Hey, mais tout le monde sait que tu es devenu fou, André. C'est le banga. Oui, ouais, ouais. Papa, ta vie tourne comme ça. Toi qui étais dans les 4-4 quand tu es venu au pays. Tu vois, 4 mois sans te laver en Europe. Oh, oh, je vais lancer. Je vais demander à tes amis de venir t'aider. Oh. Je vais faire ton direct, papa. Elle fait partie de personnes normales. Quel projet avec moi, maman? Quelqu'un est venu à l'époque. Non, je vais dire à ma copine. Ma copine, à l'époque, tu connais là où on se rencontrait là, c'est qui fait 1, 2, 3, love là. Oui, oui. Les church.com là. C'est là-bas que je l'ai connu. Et il a promis de venir me chercher au pays. Il est venu. J'ai acheté une glacée de poisson, des gros poissons à Youpé. Pour aller le voir, je suis allé donner à sa famille. Le gars m'a dit qu'il venait d'arriver de Mec, qu'il devait changer l'argent. Il devait changer l'argent et me dépanner. Heureusement qu'il était qu'un jeune. C'est comme ça qu'il a fui. Maman. Quand j'arrive ici en France en 2000, quand il est arrivé en 2001 là, maman, je le vois à la gare. Je suis à Oisem, je vois le gars au serpent. Quelqu'un m'appelle. Je me tourne comme ça. Il dit que je l'ai lavé propre. Je ne l'ai plus jamais revu. Tu l'as vu là. Ça fait 20 combien de temps? Quand tu fais le mal, ça te retrouve sur terre. Maman, le gars est devenu fou en bain. Le mal des faits, man. Le mal des faits, man, maman. Te voilà la gare. 4 mois sans se laver. Oh, c'est grave. Hey! Il faut que ta famille te voie. Non, mais c'est vrai. Il faut que... je te montre que ta famille te voie. Fais-lui la photo, on va montrer à tes... Voilà Sona, oh, le voilà. Hey, 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 hey. Oh, oh. Voilà Sona de l'hôpital général. La maison en face de l'hôpital général de Yaoundé, le voilà. Aidez-le. Il n'est pas mort, faites-le rentrer au Cameroun. Oh. Mais oh. Après 4 mois, il ne s'est pas lavé. Quand sa mère le voit, il n'est pas mort. Il traîne devant les gars. Il était fait mal.
Sona, tu étais fait man. Tu étais fait man, il te voit comme ça. Ouh, la vie d'un fait man, oh. Voilà, Sona, on dirait même qu'un temps que tu faisais la voyance au blanc, non? Sona, sa famille, le voici. Voilà, ça, le voilà, oh. Ça fait 23 ans qu'il le voit aujourd'hui. Après 23 ans, le voilà à la gare. Mais qu'est-ce qui t'a rendu comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Parlons, t'écoute. La famille te voit. Qu'est-ce qui t'a rendu comme ça, papa? Non, mais j'ai accompli une mission. Justement, qui est en train de prendre forme. J'ai pas appuyé personne. Une mission? Qu'est-ce qui s'est passé, papa? Il s'est passé que justement, si je dois rentrer au fond, ça nous prend beaucoup de temps. Non, parle. L'ex de qui? C'est l'ex de qui, maman? Que quoi son ex? Que sa famille le voit, oh. Voilà, Guy Mouafo. Amen. Il roulait dans les 4x4. Papa, je vais te donner même 10 euros, tu fumes la cigarette avec. Son très fou, ceux et celles qui me traitent de fou. Parce que le jour qu'ils comprendront qu'ils étaient vraiment des fous, mais je dis, hein, la blanche avec qui tu étais mariée, là, elle t'a laissé avant que. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais justement, tu l'as peut-être la première, donc il faut dire, si on veut même si les autres devaient comprendre, justement. Non, mais je veux comprendre, Sona. Pardon, c'est soeur. Pardon, c'est soeur. C'est soeur là-bas à l'hôpital général. Leur maison, c'est à l'hôpital général de Yaoundé. Le voilà, oh. Le voilà. Il faut l'aider pour qu'il rentre au Cameroun. Aidez-le. Il faut l'aider. Il rentre rester là-bas au Cameroun. Il a ses papiers dans sa poche. Il rentre rester à Yaoundé. Non, à l'ouest. Moi, mon prix, je m'en pose. Tout ce que j'ai vécu. Parce que j'ai du travail à faire aussi. Du travail à faire, papa. J'explique un peu tout ce que j'ai fait. Que les gens comprennent pourquoi, pendant un moment, j'ai dit ça. Papa, il faut rentrer. Tu es vivant. Tu as tes frères à Lyon, non? Qui sont les milliardaires à Lyon? Les frères de Sona, de Guy, aidez-le, il rentre au Cameroun. Montrez. Non, j'ai encore le temps. Aidez-le, il rentre au Cameroun. Voilà votre frère. Aidez-le, il rentre. Mais ces frères qui sont à Lyon, là, ils sont combien même? Ils sont deux à Lyon. Aidez votre frère, il rentre au Cameroun. Yeah, Wawa, aide ton frère, Wawa, il rentre. Hey! Mais tu as vécu à Lyon chez lui, non? La matin là. Hey, que la mère te voit. Ta mère est même là, hein? Je vais l'appeler que je suis qui, maman? Tu n'as pas le téléphone. Donc même le téléphone, tu n'as pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Guy, je veux comprendre un peu. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta... Mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais il ne s'est rien passé. C'est juste que j'étais à sa part avec les personnes. Donc, je marche comme ça. Voilà, ils ont pu me faire vivre. Quand la fois, je rentre contre mon professeur. Attends, c'était les Camerounais. Il n'y a pas que les Camerounais, justement, je n'ai pas d'un peu de masse. Vas-y, nous avons un peu de masse. C'est tout le monde. Mais je veux savoir, non, Guy, regarde, chaque personne a une histoire. Tu avais une maison ici à Porte des Postes. Non, tu étais à Porte des Postes ici. Tu étais à Porte des Postes. Tu avais ta maison, ta famille, ta. Mais je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie. Il y a quand même un début d'une histoire. Oui, c'est vrai qu'au début, de l'histoire, j'avais une histoire. Une histoire qui est partie, justement, quand je parle de personnes qui m'auraient fait du bien. Oui, oui. C'est la seule personne que j'avais citée au départ en disant que je suis persécuté par lui. Par Emmanuel Macron, le président de la France. Je croyais être persécuté par lui, sans savoir qu'il m'a tout fait du bien, mon ami. Il y a parfois un mal qui fait pour lui, parfois un mal qui fait du bien. Mais je vais dire Emmanuel Macron, quel rapport Emmanuel Macron?
pour expliquer pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, j'arrive à comprendre le chemin qu'il doit prendre. C'est le chemin qu'il doit faire comprendre certaines personnes pour comprendre la vie, pour arriver au chemin de la vie. Et voilà, parce qu'avant, je ne comprenais pas que ça avait un sens. Aujourd'hui, ça commence à prendre forme. Voilà comment je commence à expliquer les choses. Pour que lui-même, Macron, nous comprenne. Non, je pense que, Guy, il faut que tu consultes aussi un spécialiste. Non, mais les spécialistes, s'il y avait un problème dans le domicile, dans le sujet, je sais que tout le monde va parler, je sais que dans le pays, nous sommes dans le pays. Il a les papiers, non? Voilà, comme on marque, oui, je pense. Tu as tes papiers, non? Ta carte de séjour. Donc, il n'a plus de papiers. J'ai même les allocations, j'ai même 3 000 euros pour le temps. Les accumulés, donc, il faut renouveler les papiers avant de me toucher. Parce qu'il me faut une dénonciation. Mais pour ça et tout, il faut voir une assistance sociale. Non, mais la santé, il faut que la santé. Non, tu sais que, Guy, il y a un problème, je vais te dire la vérité. Un moment, tu as commencé à dire aux blancs que tu es marabout. Arrête. Tu sais ça, il a commencé à faire le fait-man. Tu vois les fait-man qui disent qu'ils sont marabouts là. Il a commencé à faire ça au Watt. C'est sûr qu'il est tombé sur quelqu'un qui était vraiment. Et la personne lui a fait ça. Non, mais personne. Non, mais les personnes. Hein? Tout le monde est évoqué. Mais tout le monde a dit qu'ils sont en train de faire. Il y a des problèmes qui ont décidé de faire pour les droits comme tu dis. Mais j'ai une question. Depuis que tu dors dehors là, il y a des. Mais tes amis que tu as valu, moi je connais tes. J'ai vu un gars qui a un jour en bas là, un établissement qui a eu un beau comme ça. Ils ont pris mon mot et tout. Mais Anelka, c'était ton ami, tes amis de l'île là. Oui. Non, c'était mon ami, c'est parce qu'il venait aussi. Non, je m'en présentais à Anelka. Je l'ai revu, on me dit dans un restaurant, je suis là-bas où il s'est mal passé, il s'est mis. Je suis sûr qu'on va appeler ta mère, elle va te voir là. Elle est à Lyon là en ce moment, non? Mais tu avais d'autres amis ici à Lille, non? Tu avais d'autres amis ici à Lille, non? J'ai même la famille à Lille. J'ai la famille, les gens, ils me fuient parce qu'ils connaissent ce qu'ils ont fait. Il y a le Pika justement. Quitte là! Le Pika, je ne les vois pas. Donc ces personnes qui devaient me soutenir. Il y avait deux à Roubaix l'autre jour, on était ensemble avec Bambara. Oui. C'est une personne que s'il avait assez à moi, j'allais venir tout de suite. Il a aussi une personne qui est. Mais tu es quand même logé. Même jour, tout à l'heure, j'ai pensé à Luna, je suis calme. T'entends Luna? Non, parce que quand tu avais l'argent, tu ne les voyais pas aussi. C'est ça, tu avais ton chemin. Non. Ouais, c'est pas possible. Mais va à Ouazem, non? Je vais à Ouazem, je ne vais pas à Ouazem toujours, mais je parle, je prends plus de milieu des gars. À Ouazem, il y a le restaurant qui est là-bas. Non, mais tu peux entrer même dans une douche à la gare, là, il y a les douches publiques, tu payes, tu te laves, ben oui. Il n'y a pas, j'appelle même pour aller. Non, il y a les douches à la gare, les flancs, là, on paye 1 euro. Tu es là-bas, tu te laves. Pardon, la famille de Guy Sona. Situé à l'hôpital général, en face de l'hôpital général, on appelle là-bas Omisport, non? À l'Omisport. Sa famille, il y a ses frères ici, ses frères, même sa mère en Belgique. Sa famille qui est ici. Ta maman est arrivée, ça fait 2 semaines. Pardon, il faut venir le chercher à Lille. C'est vraiment important, il n'a pas de téléphone. Pour te trouver, c'est où? Il est du côté de la gare Lille-Europe. C'est son bureau là-bas. Donc, il siège à côté de la gare Lille-Europe. Pardon. Venez, le frère de quelqu'un reste son frère. Ne l'abandonnez pas comme ça. La famille reste la famille. La famille reste la famille. Quand on voit les gens errer dehors comme ça en Europe, c'est ceux qui n'ont pas de famille. Guy est dans une grande famille. Peu importe ce qu'il a eu à faire avant. Ce qu'il a fait, il a eu à faire, c'est votre sang. Ne l'abandonnez pas comme ça. Moi, je ne pouvais pas te reconnaître. Non, je ne pouvais pas. Quand il m'a salué. Non, tu as bien fait de te coiffer. Je te dis, vraiment, il faut venir à son aide. Il faut venir à son aide. Il a vraiment besoin de vous.
Ma faut pas voir. Le problème, c'est que s'ils reviennent vers toi, il ne faut pas aussi être agressif envers eux. Non, quitte là. Bon, marche là-bas. Marche là-bas. Tu vas sortir, là, quitte à côté de lui. On fait la vidéo ici. Il y a peut-être quelqu'un qui appelle, qui est peut-être de la famille, je ne sais pas. Essaye de prendre. J'ai encore, j'ai le train à 47. Donc j'ai le temps. Angousso, on appelle là-bas Angousso. Hein. Voilà, il a un téléphone, tu reconnais. Mais il a dit qu'il n'a pas le téléphone, non. Mais ce téléphone, c'est le téléphone, tant que tu peux être joint. Mais ça veut dire que tu as un numéro. Il faut que tu donnes ton numéro. On va donner à ta famille. Pardon, il faut l'appeler. Donne ton numéro, on donne à ta famille. Voilà le téléphone qu'il a en main, non. Ton téléphone, là, sonne même. Oui. Pardon, donne ton numéro à ta famille. Yeah, la vie. Vraiment. Hein. Vraiment. Non, elle croit que c'est ma faute qui va faire quelque chose. Elle est médecin, elle est psychiatre. Je suis docteur. Oui, donne ton numéro. 07. Oui. 44 26 28 70. Mmh. 0, toutes 7, les filles. 4, 4, 6, 28, toutes les filles que tu as menti, que tu veux les doter au Cameroun. Elles ont prié sur ta tête, hein. Toutes les filles que tu as pris l'argent pour les doter. Toutes les filles que tu as pris l'argent, que tu arrives à les doter. Les familles où tu es parti donner la bouteille, menti les familles là-bas. Tu as fait ça à combien de familles? Il a déposé les bouteilles au moins dans 40 familles. Mais c'est aussi ça. Hein? C'est tout ça. Oui. Tu as plaqué beaucoup hein, au Cameroun, là. Hein? Tu les as fait. Hein? Tu as fait les familles là-bas. Hein? Oui, même le fait que tu as fait aussi les trucs pour faire voyager les gens, non? Hein? Tu n'as pas fait ça. Tu fuis. Et tu penses quoi de ma glacée de poisson que j'avais dépensée? Quoi? Je suis allé doter les données là-bas, non? Non, mais il a fui quand même, gars. Il a quand même promis, mais il a fui. Il m'avait promis quand même. Ben, il m'a juste laissé mon gars. C'est laisser mon gars que j'avais pour dire que j'ai un Bengis. C'est laisser mon gars, je ne sais pas en Europe aujourd'hui. Maman. Maman, Dieu merci, ne laissez jamais vos vies en Europe pour un Bengis. Yeah, voilà une copine, une de tes gars qui dit que tu ne récoltes que ce que tu as semé. Maman, il faut laisser. J'ai ajouté quoi, maman? Il m'a menti qu'il devait venir m'épouser, maman. Tu parles de quoi? Je te parle des choses de 1998. Le passé de quoi? En 98. Tu me parles qu'on vit le présent de quoi? Mais le... On vit le présent. Mais tu as dit que tu devais m'épouser, gars. Imagine si j'avais laissé mon gars pour... Maman, j'étais dans le mariage. Comme on dit qu'il ne faut pas regarder le dehors. Maman, voilà une femme qui m'a reconnue. Elle arrive, je me cache un peu. Bonjour. 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 Oui, c'est moi. Je vais épingler le numéro. On écrit là. 007 44 28 70. Voilà le numéro de l'église.
Bénissant. C'est un ministre là-bas. La vie a changé, maman. Ma co, hey, tu m'accompagnes. Hey, la vie de ça. Guy Sona. Ouais. Tu m'as plaqué que tu devais m'épouser, non, papa? Appelez votre frère. C'est important. C'est pour ça qu'on dit au Benguiske, arrêtez d'aller au pays, faire semblant de les bouter dans les familles, briser les cœurs des familles. Parce qu'il y a des familles qui entrent dans les maisons prières. Hein. Toi et moi, c'est en 1998. En 98, ma copine. Que trois enfants. Eh, hey, pas oublié. Hein. Hey, il a serré dedans. Mais le passé, là, on ne conduit que plus au présent. Ma copine. C'est que tu es dans la merde. Les gens 98 à aujourd'hui, ça fait combien d'années, s'il vous plaît, Zabeichou? Voilà votre expert. Maman, Dieu m'a sauvé. Yeah. Maman, les filles qui sont au pays là. Évitez les mbengis qui viennent là-bas vous impressionner. Je suis à la gare. Marco, on est en train. Lève-toi. Non, moi, je ne veux pas rater mon train. J'ai le train encore à Paris à prendre. Oui, bah, dis au revoir à tes abeilles. Coucou mes abeilles, je rentre à la gare. Je te donne les 50 euros maintenant. Attends, donne-les. Tu peux même un truc avec Reggie, vraiment. Tu manges bien, va au restaurant, tu manges. Tu n'achètes pas le banga. Ne pas acheter le banga, si c'est pour... Non, si... non, gars, si c'est pour le banga, non. Non, si c'est pour le banga, je ne peux pas. Donc, tu fais le banga. Non, pas le banga. Non, ne donne pas mon argent pour le banga. Moi-même, je souffre jamais. Non, ma copine, je ne peux pas guider mes dos pour le banga. Non, mais est-ce que tu... Non, tu n'as pas les dos. Non, ma copine, non, si c'est pour le banga, je ne peux pas. Non, je ne sais pas le banga. Non, papa, non, c'est pour fumer au banga, un peu pas. Non, pardon. Non, pardon. Déjà, tu m'as plaqué, tu as fui. Non, pardon. Non, c'est pas grave. Tu attaches même le pantalon avec le fil, mon frère. Ouais. Est-ce que ça le nez? Ah. Tu as acheté un autre, on va 50 gomas. La famille de Guy, voilà 50 euros que lui a donné. Venez sauver votre frère. Guy, ne fais plus les mauvaises choses. Au revoir. Hein. Au revoir. Elle a le numéro. Oui, elle a ton numéro. Tu as le numéro aussi. Non, c'est bon. Bisous, bye. Hein. Voilà. Yeah, la vie. Maman. Je vais te donner, non. Maman, 98 à aujourd'hui, ça fait combien d'années? Ma copine, quand le type là me salue, il était gros, beau. Maman. Non. Ma copine, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? C'est maman, le gars, non, il a fait trop de mauvaises choses. Non, je te manque pas, c'est la vérité. La vie, ma copine, c'est la vie, mais il y a beaucoup de gens qui ont été brisés derrière. Tu parles de quoi? Oui, je sais très bien, mais tu as changé le temps. Chaque personne a sa vie à mener. Merde, 98 aujourd'hui, ça fait combien d'années les cœurs? Non, pas s'asseoir. Voilà, c'est... Oui. Depuis 1998, ma coque, je l'ai vu. Le gars m'a menti en 1998. Merde, je l'ai vu en Ben, mon frère. 44, quoi, 44? Ma coque, 44. Oui. 43. 44. Ah, c'est là. Non, c'est derrière nous. Derrière nous, comment? C'est ici, dans le descendant, là. Ah, ok. Mais dans mon jour, descendant. Quoi, non? Je veux dire. Ah oui, attends, on descend. Ma pauvre. Ma pauvre, voilà un homme pour ramener mouf. Quand il m'a menti en 28, 26 ans, maman. Je le vois après, mais combien d'années? 26 ans plus tard. 26 ans de mauvais rêve. Pardon. C'est ça ici, hein?
C'est pas ça qui est là. Bon, les cœurs, bisous, je monte, tu sais, je vais. T'arrives à Paris, je continue.